Bonjour et bienvenue chez Mox, vous êtes dans Mashups, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Aujourd'hui, un petit épisode tout simple, car la suggestion que j'ai eue était de lier deux styles vraiment pas compliqués à imiter, c'est-à-dire Undertale et Friday Night Funkin'. J'ai trouvé l'idée intéressante simplement par le fait que c'est plutôt similaire au niveau des proportions, mais l'aspect un peu plus stylisé de FNF est quand même bien cool à faire. Pour être honnête, c'est sûrement le mashup qui m'a pris le moins de temps à faire dans l'univers de ma chaîne entier, genre. Ça m'a pris genre, quoi, 25 minutes à faire, à peine. De toute façon, vous comprenez vite pourquoi, en voyant les styles sur la gauche, c'est vraiment pas compliqué. Mais ça veut pas dire que le challenge n'était pas là. Il fallait que je reste fidèle au style de Friday Night Funkin' qui est assez particulier. Limite, je me demande s'ils ont pas fait les designs de ce jeu avec Paint. Bref, ce que j'ai fait, c'est surtout d'abord de faire le line art, puis j'ai appliqué les couleurs sur un calque en dessous. Il y a pas mal de fois où j'ai dessiné sur le mauvais calque, mais vu que c'était un dessin plutôt simple, j'ai rattrapé en assemblant le line et les couleurs sur un seul et même calque. Ensuite, j'ai ajouté un calque produit au-dessus de ce calque-là, avec un masque d'écrétage qui me permet d'appliquer l'ombre violette directement sur le calque en dessous, c'est-à-dire le line plus couleur. Si vous voulez dessiner des ombres et que vous ne savez vraiment pas comment faire, je vous conseille réellement d'utiliser un calque produit, parce que le calque produit c'est à mon sens le meilleur moyen de faire des ombrages nets comme vous pouvez le voir ici. J'ai laissé l'opacité à 100% mais c'est vrai que j'aurais pu expérimenter, voir si en la baissant ça aurait pu faire des ombres un peu plus belles, mais bon, en soi je trouve que ça fait l'affaire. Ce qui nous amène donc à la fin de ce dessin. Alors ce mashup Undertale x Friday Night Funkin', qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un j'aime si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de Mashups, et comme d'habitude les lundis et mercredis pour des challenges ou des vidéos spéciales. Abonnez-vous si vous vous sentez d'humeur généreuse. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne, c'était Mox, merci de votre attention. Limite, je me demande s'ils ont pas fait le design de ce jeu avec Paint.